Eh bien, salut à tous les amis, c'est Platypus, et je suis très heureux de vous retrouver sur le serveur de Hypixel, ça faisait très longtemps, pour un nouveau mini-jeu très très sympathique, puisque tout simplement c'est un FPS dans Minecraft, c'est-à-dire que Hypixel a repris le concept de Call of Duty, de Counter-Strike ou encore de Battlefield, et l'a importé dans Minecraft, et bien c'est super drôle. Vous allez voir ça tout de suite. Alors je vous préviens, je suis très, encore quelques très mauvais. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas jouer à ce jeu, mais je vous le montre quand même parce que le concept est hyper bien fait. Donc regardez, on a des armes, on a un texture pack personnalisé, on a des plugins, et tout le bousin est super super bien fait. Donc même si je suis mauvais, le but de la vidéo est de vous faire découvrir le concept du jeu. Donc c'est parti. Alors, n'hésitez pas vous-même à aller vous rendre sur Hypixel pour jouer à ce jeu. Vous aurez un texture pack qui sera automatiquement téléchargé. Voilà, ben là j'ai buté un mec par exemple, et donc vous faites clic droit avec votre arme pour tirer, clic gauche pour recharger, donc autant que vous avez des chargeurs limités mais des munitions générales infinies, et bien là c'est un peu le défouloir puisqu'on peut tirer, etc. C'est vraiment super cool, c'est je pense une très grande avancée dans Minecraft avec la 1.8. Ah, je suis mort. Voilà, donc je vous disais je suis pas très bon, et en fait les maps sont inspirées de Counter-Strike et le concept aussi. Donc c'est comme si vous jouiez à Counter-Strike en fait dans Minecraft. Alors moi j'ai vraiment été ébloui par ce truc, je ne savais absolument pas qu'on pouvait faire quelque chose de pareil, d'aussi fort finalement dans le jeu. Du coup eh bien c'est génial. J'ai acheté une smoke grenade. Hop, et c'est parti. Et donc eh bien pour vous un peu vous expliquer, parce que oui, je vous ai même pas expliqué les objectifs en fait. Et donc les objectifs sont tout simplement soit si on est les policiers de... Ah ! Au secours de capturer la... d'empêcher les terroristes de poser une bombe. Voilà, je sais pas. Ok, donc ça je peux vous expliquer correctement. On est au-dessus de la map. Donc soit vous êtes les policiers et vous pouvez empêcher les terroristes de poser une bombe. C'est pour leur poser une bombe par terre comme ça et vous pouvez les empêcher. Et soit vous êtes les terroristes et vous pouvez vous-même poser la bombe. Et donc essayer de la faire exploser, et celui qui fait exploser la bombe a gagné, celui qui empêche la bombe a gagné, enfin voilà. Ça en fait c'est exactement Counter-Strike, j'ai jamais joué, mais je connais parce que j'avais des amis qui jouaient à Counter-Strike, donc voilà, la petite histoire, on s'en fiche, on continue. Ah non, on peut pas continuer parce que je suis mort. Non, en fait, on respawn à chaque round, c'est un team deathmatch en quelque sorte, et ça c'est un scarage, c'est super cool. Et donc vous me direz, il faut acheter des armes à tous les rounds, bah oui, c'est comme dans Counter-Strike, et ce qu'on peut acheter dans le shop, c'est tout simplement des améliorations des armes. Donc en faisant des games, on peut améliorer ses armes et on peut aussi les personnaliser. C'est-à-dire que si on est dans... Hop, si on est un nouveau VIP... Ah, voilà. Si on est un nouveau VIP ou quoi que ce soit, eh bien on peut acheter des personnalisations d'armes. C'est-à-dire que moi j'ai un magnifique scarabée doré. Regardez-le. Super. Ah, tire. C'est bon, je l'ai eu. Oh putain, chaud. En plus, le mec a super mal joué, il m'a pas vu, moi j'ai galéré, genre. La smoke, elle est aussi très très bien faite. Ah, chier, qu'est-ce que c'est. Et alors, ce qui est bien fait, c'est qu'évidemment, le chargement est très long. Ce qui fait qu'il faut jouer tactique. C'est-à-dire qu'on peut pas courir dans le tas, recharger parmi plein d'ennemis. Jouer en mode total YOLO. Qu'est-ce que c'est que ce truc rect? What the fuck? Tiens, j'ai jamais vu ça. Et bien, les maps sont plutôt bien faites aussi, également. Je tiens à le souligner. Ah, soulignons-le. À chaque fois, en fait, que je fais un geste avec mes mains, bah, du coup, le problème, c'est que je perds mon clavier et je ne peux plus jouer. Bon, il n'y a plus d'ennemis là. Il en reste deux. Merde, on est deux contre deux. Il faut que je trouve mon coéquipier, on sera beaucoup plus efficace à deux. Ok, ah, il est là. C'est où B? Ok, ça doit être par là. Je sais pas, random. Où est le point B? B, c'est par là, ok. Ok. C'est aussi, c'est drôle, nos alliés morts peuvent nous aider. Oh, fuck. Oh. Merde. Où est-ce qu'il est? Notre ennemi mort, ouais. Ils sont en A maintenant. Ah, merde, je suis mort. Bien joué. Je sais pas, parce que j'ai un peu aussi du mal à tirer avec l'arme. En fait, des fois, j'arrive pas à vraiment tirer. Enfin, je sais pas trop ce qui se passe. Je tire et j'ai l'impression que ça ne touche pas les ennemis, mais bon, c'est normal, on est aussi dans Minecraft, je suis un peu indigent, chers amis. Voilà, je viens de bouger. Et c'est parti pour un nouveau round. Oui, un nouveau round. Alors mon arme est dorée, mais c'est la nullité, voilà, ça c'est la nullité. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça
c'est totalement esthétique, c'est-à-dire que le fait que mon scarage soit brillant, ben, ça change rien du tout. Ah, pourquoi je suis si nul? Ah ben voilà, moi, je pense qu'on va perdre. Oui, elle, parce que regardez, il y a les nouveaux skins de Minecraft. D'ailleurs, moi, je les trouve ultra moches, je sais pas vous, il y a des espèces de petits bras tout maigres, comme ça, genre ils sont anorexiques. Moi, je les trouve vraiment affreux. En plus, c'est censé faire féminin. Moi, je trouve que les skins féminins avec des gros bras sont beaucoup plus beaux. C'est ce que j'ai trouvé vraiment laid. Enfin, c'est après tout juste mon avis, mais je trouve que ça représente la laideur. Voilà, laideur. Regardez, c'est trop moche, ces petits bras anorexiques comme ça. Enfin, moi, je trouve ça super laid. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais mettez toujours dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, let's go. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas mourir en 3 secondes comme la partie précédente. Et en fait, au début de chaque partie, on n'a pas de quoi basiquement s'acheter une arme tout à fait évoluée. Du coup, on est obligé de se fighter avec le petit pistolet. Le petit pistolet. Ce qu'on appelle communément un pistolet. Ah putain, il faut que je recharge. Et la vie ne se recharge pas basiquement. Sauf s'il y a un medikit ou un truc comme. Ok, je suis là. Bon, ça, j'avais un demi-cœur. Donc, vous voyez, bon, la nullité, déjà, vous voyez la nullité. Mais vous voyez aussi le concept du jeu qui est vraiment absolument bien fait. Et alors, toutes les armes ont vraiment leurs caractéristiques. Donc, dans le prochain round, si on n'a pas perdu, si on perd pas à ce moment-là, ou qu'on gagne pas à ce moment-là, je vous montrerai les différentes armes, etc. Et puis, dans le hub aussi, je vous montrerai les différentes choses qu'on peut gagner. Et puis, on se fera aussi. Une autre partie, parce que c'est cool. Voilà, toutes les armes, on a le pompe, la mitraillette, la mitraillette truc. Allez, je sais plus comment on appelle ça. C'est le fusil d'assaut et le snipe. Du coup, on va prendre le fusil d'assaut parce que c'est le plus cool de tous. Et en fait, c'est les catégories. Voilà. Et chacune, donc, peut avoir des visuels différents. Et ont surtout des caractéristiques différentes. Merde, c'est un ami. Je suis trop nul. Et peuvent être améliorés dans le shop, mais ça coûte très 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 cher de les améliorer. Ok, je vais pas rester là. C'est une super mauvaise idée de rester là. Ok, il faut que je bouffe le truc. Ah voilà, j'ai planté la bombe. La bombe a été plantée. Et bim! Tiens. Ok, je fais un peu beaucoup pour de la merde. Ah non, merde, je suis mort. Non, il faut défendre la bombe. Defend, c'est où? B. Voilà. Comme ça, ils défendront peut-être B. Non, mais c'est quoi ces policiers? Va-t'en, pourquoi mes alliés ne défendent pas B? Ah, ok, il n'y a plus d'alliés. YOLO, il n'y a plus d'alliés. Il reste trop de temps pour la bombe. On va perdre, je vais planter la bombe. Donc vous voyez, on peut planter la bombe, voilà. Je vous ai montré comment on plante une bombe. Oh, hé, attends, on a gagné. C'est excellent. Allez, ça défonce. La nullité. Les mecs, ils nous ont tous tués. Et puis genre, ils n'arrivent pas à désamorcer la bombe à temps. La tristesse. Lol. Ça peut être drôle si tu es avec vos potes. Bon, là, il y a un petit peu... 7h30 du matin, voilà, donc il n'y a pas trop de mes potes qui sont réveillés, mais vous pouvez toujours essayer de réveiller vos potes aussi, hein, si vous voulez. Moi, à 7h30, j'arrive pas trop à les réveiller en général, si vous y arrivez, ou que vous ne jouez pas à 7h30, c'est possible aussi. Vous pouvez jouer avec vos potes à ce jeu, et c'est super drôle, puisque c'est vraiment jouer à Call of, machin, à Counter-Strike plutôt, excusez-moi du rapprochement foireux. Crève, ok, je vais surtout pas m'entêter là-bas. Ils sont beaucoup trop loin et j'ai pas de snipe. On va plutôt passer par ici. Contournement, c'est ton ami. Alors, du coup, je vais recharger. Et le rechargement, vous voyez, dure genre quelque chose comme 3 secondes. Du coup, il faut vraiment faire. Oh non! Pourquoi je me suis fait avoir comme ça? Bon, du coup, on le rachète. On va acheter une smoke, on va acheter une frag. On achète tout, on peut même acheter un Kevlar machin. Voilà, on est genre full armé, tout ce que vous voulez, la puissance. Ah, il y a des creepers qui sont venus. Et vous voyez, il a même fait le recul aussi. C'est quand même important à savoir. C'est-à-dire que si vous laissez appuyer, regardez, je vais vous montrer. Bon, ok, bon, là je suis trop proche, il n'y a rien qui se passe. Mais en gros, il y a du recul, croyez-moi, hein, je vous le montre, ça, on le voit pas. Il y a du motherfucking recul dans ce jeu. Et c'est bien fait.
Ah merde. Oh putain, j'ai le temps de lancer ma bombe. Ma grenade, hop. C'est bon. Ok, fuck, je vais pas aller dans un... je vais pas aller dans un smoke. Ouais. Ah, il y avait un mec qui avait un snipe. Putain, crève. What? Regardez là, c'est impossible, j'ai raté toutes mes balles. Il y a deux fils qui étaient dans son petit corps. Ok, là je vais pas buter. Si, je l'ai buté, c'est bon. On va essayer snipe. Alors bon, je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer snipe. Mais ça peut être drôle. Donc regardez, on peut viser comme ça. Et boum. Non, mais bon, voilà. C'est marrant, voilà. J'ai essayé snipe. Je vous ai... Au moins, j'ai la fierté de vous avoir montré le snipe. Il faut pas qu'ils diffusent la bombe. Oh non, ils ont diffusé la bombe. GG. Voilà, bravo mes petits amis. Bon, moi j'ai fait un score assez mauvais. Oui, j'ai fait 8-5, j'ai fait un 5-8. Mais je vous ai montré le jeu et on va faire une deuxième petite game pour la suite. Donc, tout de suite, on se retrouve. 5, 4, 3, 2, 1. Je me donne un petit compteur pour aller plus vite, tac-tac. Et on se retrouve dans le lobby, donc on peut aussi choisir sa team, c'est-à-dire qu'on peut choisir cops ou prisonniers. Hop, j'ai choisi une random, je sais pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Ah merde, je vous avais promis de vous montrer, mais voilà, ça c'est les visuels d'armes. C'est-à-dire que là, mitraillette, on peut avoir le Uzi, on peut aussi avoir le pédonant. J'étais super triste, le pédonant, c'est mon arme préférée dans tous les jeux. Et il faut être MVP plus, machin, truc ultra cher pour l'avoir. Du coup, j'ai pas pu avoir la pédonant. Bon, oui, j'exagère un petit peu, mais... C'était plus ou moins ma réaction quand j'ai vu qu'on ne peut pas avoir la pédonante. Parce que c'est mon arme préférée du monde entier. C'est la première chose que j'ai regardée en connectant à ce jeu. J'ai regardé, est-ce que je peux avoir la pédonante? Oh, oh, oh. Et puis après, j'ai vu MVP+. Moi, j'étais... Et là, je n'arrive pas à jouer tout en pleurant. Du coup, il va falloir choisir l'un ou l'autre. Il va falloir choisir entre toi et moi, Johnny. Et bon, et j'ai choisi toi, parce que c'est quand même important. Je sais pas ce que je raconte. Oh, je l'ai buté en mode total YOLO. Excellent. Non, ah, non, non, non. Ouh, putain, ils m'ont pas vu. Oula, là, ils m'ont vu par contre. Ok, on reload. Ok, j'ai touché aucune balle. Ça, c'est une petite flingue, c'est normal. On va sauter parce que j'ai envie de continuer mon exploration. Oh putain. Voilà, il y a rien qui touche. Mais bon. Après, c'est parce que c'est le petit flingue qui a zéro visée, quoi. Enfin, zéro précision, voilà. Et on est les cops et on a gagné, voilà. Je voulais bien être sûr que c'était bien nous qui avions gagné. Et là, on va acheter la scarache et une petite smoke. Voilà, c'est toujours bien, ça, une petite smoke, comme ça. Ah, j'avais déjà une smoke, ok. Et on peut aussi, je voulais pas montrer, on peut aussi changer le petit pistolet, mais ça, je le fais jamais pour acheter un Desert Eagle. Pour la classe, si on veut, sauf que moi je n'achète pas le Desert Eagle parce que je trouve qu'il coûte trop cher que pour ce que c'est. Parce que j'ai pas envie de payer en fait 800 de thunes pour avoir eh bien, un petit pistolet amélioré que je n'utiliserai de façon pas. Ok, il y avait absolument personne. Gaspillage de smoke! Wouh! Et eh bien, on va essayer de passer. En fait, la smoke là, ça vous handicape plus qu'autre chose. Mais non, mais arrêtez de lancer pas une grenade, bordel, il n'y a pas d'ennemi. What the fuck? Oh, purée. J'ai cru que c'était une frag. Et que j'allais me faire défoncer, mais non, c'était une smoke. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Bon, l'anecdote nulle de Platypus, oui, peut-être que vous en voulez pas, mais tant pis, vous êtes, c'est ma vidéo, vous êtes obligé de la regarder et d'écouter l'anecdote nulle. L'anecdote nulle est telle, c'est qu'un jour j'étais dans le code 4, en fait c'est vraiment une anecdote ultra nulle. Un jour j'étais dans le code 4 et genre j'étais en je sais plus quoi, mais le match qui fait que si tu crèves, t'as perdu, si tu vis, t'as gagné. Et en gros, j'étais donc en 1v1, il restait moi et l'ennemi. Et genre, j'étais sur une mini-map, je sais pas si vous avez joué à 4-4, mais c'était vraiment la toute petite map avec des containers, comme ça. Et en gros, genre, j'étais en gros stress, machin truc. Et finalement, à la toute fin, genre, j'ai lancé une grenade flash. La grenade flash l'a frappé dans le bide et il est mort. Mort de s'être pris la grenade flash, là. Du coup, j'étais genre, what the fuck, et genre, ça m'a bien fait rire et tout. Et du coup, voilà, c'était l'anecdote nulle. Bon, vous me direz si elle était vraiment nulle. Alors, des petits ennemis, pour le moment je ne vois pas de petits ennemis. Aïe. Alors là il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il peut y avoir des petits ennemis à tout endroit. Ok, il n'y a pas du tout de petits ennemis. C'est parti, on rush, on reste avec les poteaux pour avoir moins de chances de mourir. C'est quoi ça? C'est une grenade qui va exploser? Ok, on va exploser.
Pas d'ennemis, pas d'ennemis. Qui est pas d'ennemis? Pourquoi il n'y a bomb pas. has been planted. Ah, il y a un mec qui die! Elle est où là? Elle est où la bombe? Et là, il faut trouver le spot où ils ont planté la bombe. Moi, je vais essayer B par exemple. Pourquoi pas B, hein? Dites-le moi tout de suite. Pourquoi pas B? C'est par là. 30 seconds left. Merde, il reste 30 secondes. Chaud, chaud, chaud. Ok, ça a pas l'air d'être B en fait. B, c'est par là. D'accord. Je ne connais pas du tout les maps, hein. Ceux qui connaissent Counter-Strike, les connaissent sans doute. Moi, ce n'est pas trop le cas vu que je n'ai jamais joué à Counter-Strike. Voilà. Alors, est-ce ici? Est-ce ici? Non, ce n'est pas du tout ici. Ok, bah du coup, on va aller en mode YOLO. Ok, je suis pas mort. Merde, il m'a tué. Non, on avait gagné. On avait gagné. Il m'a tué. Il n'y a aucun sens qu'il puisse me tuer alors qu'on avait déjà gagné. Là, je suis trop deg parce que c'est complètement de ma faute. Voilà, je mets le truc en Kevlar. Je sais pas trop ce que c'est. Allez, la nullitude. Je suis à 1-1. Il faut quand même que je fasse un bon score. Putain, comment je l'ai pas eu? En plus, c'était tellement dans mon viseur, ce petit con. Ok, désolé pour l'insulte. Il faut non plus pas exagérer. Alors là, je pense qu'il y a la baston. Hop, voilà. Bon, je passe avec lui. Hop, les 10 000 grenades. Ok, et en fait, il n'y a pas d'ennemis. Ah, si, là, il y en a un. C'est-à-dire que là, c'est en mode vraiment, genre, déchaînement. Oh, il est venu par derrière? Il est venu par où? Je ne sais pas où était celui qui m'a tué. C'est José Tornado. Je suis très triste. Allez, désamorce là, désamorce là. Bon, désamorce là, bon. Tac, tac, tac. Et. Non, mais désamorce là, bordel! Allez, désamorce la bombe! Putain, il est sérieux, lui! Bon, excusez-moi encore pour la nullitude quand même, quand il avait la bombe à désamorcer sous son pif, il avait 20 secondes pour le faire. On va essayer la flashbang, tiens. Ah non, on peut pas. Bon, tant pis, on n'essayera pas. Eh hey, merde, j'ai oublié d'acheter ça! Ah purée, j'ai dépensé toute ma thune! Je suis trop con pour acheter deux grenades alors que j'avais pas d'armes. Bon, en plus j'aurais dû vous montrer le petit pistotron. Allez, c'est parti, let's go, let's go. En plus, les armures doivent donner hyper mal du coup dans les skins de filles avec des mini-bras. Puisque les armures sont prévues pour du 4 bras. Et du coup, enfin, du 4 pixels bras. Excusez-moi, je dis des trucs incompréhensibles, mais je suis concentré, du coup, c'est normal. Hop, grenade. C'est bon, il est mort. Pourquoi j'ai fait F5? Pourquoi j'ai fait ça? C'est quoi la touche qui fait Twitch machin truc? Mais non, c'est F6! Mais casse-toi! 5, hop. Ok, les ennemis ont. Merde! Voilà, je l'ai buté. Non, c'est pas moi. Si, si, c'est moi. Haha, je l'ai buté. Oui, en fait, je vais extasie pour juste ne pas être nul en fait. Enfin, si, je suis un peu nul. Pour ne pas être si nul que ça, du coup, je m'extasie. Ah, ok, ben voilà. La nullitude. En soi, le mec avait une belle prise. Il nous a bien, bien fisté. Voilà, j'ai acheté une flashbang. Flashbang, bang, bang. Pour que vous voyez si c'est cool, la flashbang. Voilà. Ah, je me noie. Non, en fait, c'était pas très crédible. Voilà. Je me noie. Et c'est parti. On apprend toujours l'ascarrage doré. Je devrais peut-être prendre les autres armes. En fait, je trouve que les maps sont pas assez petites que pour que le pompe soit intéressant. Du coup, j'achète pas le pompe, même si j'aime bien jouer au pompe en général. Mais là, je la trouve pas très très utile. C'est parti, les kiki. Du coup, j'achète le Scaral parce que ça me semble l'arme la plus fiable, la plus constante, la plus cool du jeu. Désolé. Là, je suis vraiment désolé parce que le mec, il avait pas de chance, qu'il était en train de ranger son inventaire. Et donc, du coup, je l'ai buté comme un gros connard. Alors là, je suis en train de. Voilà. J'ai juste mis un petit headshot, il était mort. C'est des plus intéressants. Alors, je suis un criminel, mais je n'ai pas la bombe. Et je suis le dernier criminel en vie. Du coup, c'est un peu la merde. Et where is the bomb? Merde, ils m'ont vu. Putain. J'ai trop mal joué. Bon, maintenant je suis un. Maintenant je suis un petit terroriste toujours en fait. J'ai cru que maintenant j'étais devenu un cops, mais pas du tout, je suis resté un terroriste.
Et la bombe ne m'a servi à rien. Enfin, la grenade, je sais pas pourquoi je dis bombe. Hop, 9, on va quand même acheter une smoke au cas où. J'ai même pas essayé ma flashbang en fait. Et j'en ai pas racheté une. Du coup, c'est useless. En soi, la smoke est plutôt efficace en mode genre fuite. Ok, tirer dans le vide. Normalement, il devrait y avoir du bleu par ici. Voilà, il y en a. J'ai eu une assist. Oh yeah. Non, mais c'est quoi ça? Purée, what the fuck, quoi. Les touches sont assignées à des trucs super nuls. Bon, de toute façon, ça vaut... Mais, purée, quoi, là, je... Oh, mon Dieu. Voilà. Comme on disait. Là, ça me fait un peu rager, du coup, vous le verrez pas. Hop, on se couvre par là. Oui, parce qu'on est super prudent. Et qu'est-ce qu'il y a par ici? Tiens, j'ai l'impression qu'on n'est jamais allé par là. Alors... Un petit ennemi, la camionnette dont on a vanté les vertus précédemment. Merde. Pourquoi ça tire pas, bordel? What the fuck? Elle aurait tellement pu me tuer, quoi. Je l'ai même pas tué au pistolet, c'est juste mon pote qui l'a buté. Bon, ok. Je sais pas quoi, j'ai vidé mon chargeur anti à côté, je sais pas comment ça se fait. Je pense qu'il faut pas maintenir cliqué, en fait, il faut juste... voilà, une flashbang, comme ça, vous l'avez. Il faut juste faire des petits à-coups, parce qu'un coup tire genre 4 balles, quelque chose comme ça. Du coup, en fait, c'est un petit peu étrange, je trouve, comme système. Mais après, c'est normal, vu que c'est dans Minecraft, il faut quand même être indulgent. Alors, la flashbang. Merde! Oh là là! Il faut juste que la bombe explose. Ouais, 12 secondes, il aura le temps de diffuse. Dommage, dommage, dommage. Pourtant, c'est bien essayé. Bon, les cops ont gagné. C'était bien joué. GG. Parce que mes amis ont quand même bien joué sur cette fin de game. Moi pas. J'ai fait du 4-5. Je ne peux pas m'en vanter. Et on va faire une troisième game. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que le peuple... On va recommencer. C'est parti. Que veut le peuple? Une troisième game. Oui, yeah. Voilà, ça c'était quand même un petit peu plus charismatique. Puis, bah tenez, je vais vous acheter pour vous montrer. Hop, on va dropper ça. On va acheter le Desert Eagle pour vous montrer. Le pistolet, bon, il n'est pas très très beau, je trouve. C'est vrai que dans Call of, c'est quand même une légende. Dans Call of Duty, Call of, c'est une légende. Voilà, dans Counter-Strike, je ne sais pas. Vu que je n'ai absolument jamais joué à Counter-Strike. Du coup, je ne peux pas savoir. Alors, j'ai aussi la tour Z pour zoomer. R pour zoomer sur mon clavier avec Optifine. En fait, c'est plutôt un handicap qu'un truc bien. Bon, on est les cops. J'ai même pas regardé. Hop, où sont les criminels? Je n'en vois pas. Pourtant, il y en a 7. On va rester avec mes potes. Voilà, il est mort. Merde, pourquoi j'ai rechargé? Ok, bravo. Merde, il y en a derrière, Ok, on dégage. Je pense pas que ce soit une bonne idée de les fesses. Comme ça. Ok. Il faut recharger. Ok, je suis mort. Ah non. Lol. Non, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Ça me fera très plaisir. Ça vous sera utile puisque vous serez averti de plein de trucs. Mais genre des trucs cool et tout, vraiment. Genre, vous direz quand il y a des vidéos, quand il y a des concours, quand il y a d'autres vidéos qui sont pas de moi, mais qui sont cool quand même à voir, etc. Enfin, vous aurez plein de trucs intéressants. Si vous me suivez sur Twitter, mon Twitter est @platypustv, c'est tout. Voilà, c'est très simple. C'est @platypustv. Donc, suivez-moi, voilà. Vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Créez un compte Twitos. Suivez-moi. Ok, là, le mec, je suis die. Ah, chaud. J'ai deux cœurs, mais j'ai l'impression qu'aucune de mes boulettes ne touche. Bon, voilà, c'est là. On peut dire qu'elle l'a touché. Voilà, voilà, flashbang. Allez, la flashbang, on va réussir à l'utiliser. Enfin, réussir à utiliser cette putain de flashbang, je vous le dis. Voilà, Superman. En fait, pour vous montrer que je suis motivé, je vous fais le signe de Superman. Il faut pas je sais pas ce que je veux dire, il faut pas être violent, il faut pas être méchant, il faut pas me taper. Allez, on va utiliser la flashbang. On va utiliser la flashbang. Hop. Ouya.
je viens de te passer. Fuck. Qui a mis une smoke sur moi, bordel, alors que j'avais un Jean-Kevin dans mon collimateur? Oui, le collimateur, mot utilisé depuis. Mot qui n'est plus utilisé depuis 500 ans. Mais après, c'est quand même stylé de stylé petit mot de vieux, comme ça, tout ça. Alors, il n'y a plus d'ennemis. Si, si, il y en a un. Il se cache bien. Ça rime. Attendez, est-ce que ça. Il y en a un. Il se cache bien. Mon gars, j'ai fait j'ai fait un décasyllabe avec. Le truc rime au milieu, machin, truc trop cool. Enfin, bon, je suis super puissant, voilà. Je vais devenir un grand poète, Baudelaire, si t'as vu la famille. Et en fait, là, on est en train de gagner, surtout. Ah non, parce qu'ils ont planté la bombe, bordel. Est-ce qu'ils ont diffuse? Allez, il faut diffuse. Est-ce que je peux diffuse avec vous? Ok, je peux pas diffuse avec vous, mais je peux quand même tirer. Allez, ratatata. Ah non, ça recharge. Alors, on va s'acheter une flashbang. On va la mettre sur nous. En fait, j'ai envie de savoir ce que ça fait de mettre une flashbang sur nous. Allez, 5, on va essayer. Hop. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, bof. Ouais, ça fait juste de la noirceur et de la nausée. Du coup, c'est très pourri, en fait, la flashbang. La smoke, c'est beaucoup mieux. Allez, where are the enemies? Ok, je l'ai buté. C'est bien. On recharge, du coup, même si c'était pas vraiment nécessaire. Ok, on l'a buté. Ah merde, il me fait mal. Ok, chaud. Ah merde, il y a une bombe. Enfin, une grenade, bordel, pas une bombe. Faut que j'arrête de dire bombe. Alors, il l'a buté. Ah merde, je suis trop con. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, moi, je vais quand même tuer un. Du coup, je suis à 3-1. Et on fait un score positif. T'es pas rendu compte. 3-1. Boum, 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 boum. Je pèse dans le milieu. Et on va racheter. Ah non, on peut pas. Du coup, est-ce qu'on rachète le digger? Ouais. F, hop. On va racheter direct. Direct le digger. Et c'est parti. C'est parti. C'est tout. On a zéro de money. Mais on est plutôt puissant dans le niveau gangster. Tout ça. Puisque on se représente avec un digger. Voilà. Alors on va aller au spot B. Ce n'est pas moi qui ai le. Le truc, la bombe. Voilà, je n'ai pas de bombe. J'aurais bien aimé avoir une bombe, voilà. C'est juste que je me sens pas trop dans l'âme d'un terroriste, en fait. Oh, chaud, putain, il en a mis une dans la tête. Enfin, pas dans la tête, c'est le chemin, mais dans le body. Dans le body building, la bague nulle. Putain, j'ai tout mis à côté, what the fuck. Ok, j'ai rechargé. Ok, il est là-bas, il faut pas qu'il me touche. Ok, elle place la bombe. Il est là-bas. Ah, je lui en ai mis, je pense. Hop, on recharge. Évidemment, il n'y a que 7 balles dans les gueules. Ok, j'ai tout mis à côté, quoi. Chaud. Il est mort? Ouais, il est mort. GG, les gars. Allez! On a mis la bombe, on a gagné, tout ça. Bon, ça fait du coup une belle troisième partie. Hey! On a fait un score positif, bordel de merde. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. N'hésitez pas donc à mettre dans cette vidéo un j'aime, parce que moi, les j'aime, ça fait plaisir. J'aime, wouh, je suis couvert sous les j'aime. Bon, il y en avait deux, et c'était les miens, mais je suis quand même couvert sous les j'aime. N'hésitez pas à mettre un commentaire, parce que, ne l'oubliez pas, si vous mettez un commentaire, attendez, comment on fait? C'est comme ça, voilà, si vous mettez un commentaire là, eh bien, vous aurez sans doute une dédicace dans la prochaine vidéo, et les dédicaces, c'est non négligeable, et puis et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à jouer, c'est sur iPixel. Allez, au revoir. Oui.